La princesse Caroline s'est sentie privée de son rôle lorsque la princesse Charlène s'est mariée dans sa famille. La princesse Caroline est la sœur aînée d'Albert II, prince de Monaco, et troisième en ligne sur le trône monégasque. Lorsqu'elle a épousé le prince Ernst Auguste de Hanovre en 1999, elle est devenue la princesse de Hanovre. Après leur séparation 10 ans plus tard, elle est retournée dans son pays d'origine pour exercer des fonctions officielles. Son rôle au sein de la famille royale était essentiel, en particulier après le décès de sa mère, Grace Kelly. Depuis 1982, Caroline était de facto la première dame de la principauté, d'abord aux côtés de son père, René III, puis avec son frère. Cependant, lorsqu'Albert a épousé Charlène Whitstock, aujourd'hui princesse Charlène, une nageuse olympique sud-africaine, le rôle de Caroline a changé, ce qui aurait provoqué des tensions au sein de la famille. Depuis qu'elle a épousé le prince Albert en juillet 2011, Charlène a pris place à côté du prince de Monaco, assistant aux événements les plus importants du pays, des festivités nationales au gala, et servant de première dame. Avant cela, Caroline avait occupé ce rôle et il a été suggéré que la relation entre les belles-sœurs n'était pas facile. Selon un rapport de 2022 dans Royal Central, un site indépendant populaire dédié à la couverture de la famille royale du monde entier, la princesse de Hanovre s'est sentie privée de son rôle tandis que Charlène s'est sentie mise à l'écart.